L'école est finie. Adieu la tranquillité. Maman! Bonjour mes petits amours. Maman, cette année, il y a un concours pour le carnaval de l'école, c'est trop cool. Non, c'est trop nul les concours. Si, c'est cool. Même que celle qui aura le plus beau déguisement sera la reine du carnaval. C'est trop nul les rois et les reines. Tu sais dire autre chose que trop nul, microbe? Dis que t'as trop peur de perdre plutôt. N'importe quoi. Ah ouais? Alors qu'on parie, et si je gagne, je choisis le déguisement que tu porteras pendant toute la semaine après le carnaval. Pari tenu. Mission déguisement. Yeah. Trop cool ce carnaval. Qui c'est qui a récupéré tous les cartons de la maison pour faire son super déguisement? Le plus stupide des frères stupides qui n'a pas de colle pour son déguisement pourri. Oh non! Papa, t'es là? C'était bien ta journée? Jusqu'ici, oui. Combien de fois je t'ai dit de pas courir dans la maison, Tom? 534 fois ce mois-ci, papounet. Donne-moi ça tout de suite! Arrêtez de vous chamailler et apprenez à partager. Hein? Super. Ok, cette fois, j'ai tout le matériel. Hein? Reine du carnaval, je n'ai jamais vraiment douté. Bien sûr, c'était un rêve. Je remercie ma famille, mon chat et ma créativité naturelle sans qui... Tremblez, vermine! C'est moi, capitaine cosmique! Gants laser! Trop pourri ton costume, microbe! Mais t'inquiète, j'ai trouvé ton déguisement quand je serai la reine du carnaval! Capitaine princesse! T'es folle! Moi, en capitaine princesse? Jamais de la vie! Mais c'est pas vrai! Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux savoir qui a mis de la lessive dans la baignoire? Aucune idée, papounet! Peut-être Tom? Il avait besoin du carton de lessive pour son déguisement. Si l'alien gagne le concours, je vais avoir la honte intergalactique pendant une semaine. Tu m'écoutes ou quoi? Eh, mais c'est ça! Merci, Grippy. Je vais être magnifique avec ce collier. Go, Grippy! Go! Trop beau! Mais ferme! Mais pas les... Ma colle Grippy!
Dis, Nina, t'as pas vu Grippy? Il s'est échappé. Oh, c'est toi qui as fait ça? Dans mes bras, Microbe? Hein? Mais il t'a pas pourri ton déguisement? Tadam! Grâce à Grippy, ma robe est encore plus belle qu'avant. Et c'est beau pour de vrai, ça? Papa, tu vas être fier de moi. Regarde ma jolie robe pour le carnaval. Je vais être la reine de la fête. Mais oui, ma chérie. Nouveau plan, atomisation de la robe. Papounet, chérie, s'il te plaît, tu veux bien venir admirer ma super robe que j'ai faite toute seule avec mes petites mains? Capitaine en position. T'as vu les super belles déchirures? Stylé, non? Bye bye, la reine du carnaval. Non. Oups. Tom, ça va pas? Je viens juste de me doucher. Excuse-moi, papa. Je visais la robe de Nina. Oups. Ah, bravo, un bel esprit fraternel. Privé de pistolet laser et de jeux vidéo. Et voilà, ma merveilleuse robe est sèche. Allez, Tom, prépare-toi à te faire des couettes. Oups, je devrais dire capitaine princesse. Tout est prêt. Trop nul, les clips de l'Overmove. Trop cool. Bingo! Super malin, le capitaine! Bon, je t'ai dans la bouche. Programme 90 degrés, effet rétrécissant et lancement immédiat! T'es trop belle, bébé! Hein? T'as trop raison, et c'est là! Maman! Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais rien! Nina, elle fait que pleurer comme un gros bébé! Et pour rien! Regarde, maman! Hein? Ah! Ma robe! Hein? Mais c'est la robe de Nina que je voulais détruire! Pas ce truc tout moche! Ce truc tout moche, Tom, c'est ma nouvelle robe de chez Tucci. Corvée de litière pendant un mois. Bravo, Microbe, tu marques des points. Et au fait, merci, hein, grâce à toi, j'ai une super idée pour le carnaval. Je vais chanter et danser. Tu vas être trop mignonne, hein, capitaine princesse. Oh, ça pue. Salut les cops, prête? Carrément. Oh, bien sûr. Hein? Un rassemblement alien? J'aime pas trop ça. Oh là là, on dirait une reine. Oui, je sais. Et j'aimerais préparer une petite choré pour le carnaval. Vous m'aidez? Ben bien sûr. Bébé, c'est bon. Capitaine Tom va pas se laisser faire. Dis donc, Tom, je ne t'ai pas demandé de nettoyer la caisse de Grippy. Si, maman, je fais juste une pause pour l'odeur. Trop berque. Capitaine Tom nage en apnée. Ok, la voie est libre. Ennemi repéré. Go! Mon cœur fait boum bébé. Ben il va plutôt faire splash. Mon cœur fait boum. Allez, serpent géant, arrose et détruit le déguisement pourri de l'alien. Ah, rien ne vaut une bonne petite douche. Ah. Il va se prendre un de ses savons. Tom! Ah, chut!
J'entends pas l'alien. Hein? Oh, papa, mais c'est pas moi. C'est Nina qui a... La main sur le robinet. Cette fois, tu l'as bien cherché, Tom. Privé de carnaval. Hein? Quoi? Mais non, papa, c'est pas juste. Le microbe a pas de cervelle, mais il mérite pas ça. Y a pas de mais. Pas de carnaval pour Tom. Point final. Mais alors? Pas de carnaval, donc pas de déguisement, donc pas de capitaine princesse. Merci l'alien, c'est la meilleure punition de l'univers. Yes. Il est puni et content. Tu m'expliques? Laisse tomber, il a oublié un détail. Ah bah oui, Microbe, rappelle-toi, déguisé toute la semaine et pas que le jour du carnaval. Ça se fait pas, tu m'as encore embrouillé l'alien. Allez, allez, après vous, princesse. La honte intergalactique. Dépêche, on va être en retard à l'école. Oh. C'est bon, mon cœur fait boum bébé. C'est bon, j'étais dans la peau bébé. Ah, sale moustique. Va-t'en toi. Mission accomplie. Merci capitaine d'avoir empêché la danse maléfique des aliens pour invoquer les forces du mal. Par contre, moi, j'ai pris le contrôle du cerveau du terrien papa pour qu'il réserve toutes les crêpes qu'il est en train de faire aux aliens. Hein? Capitaine Courage, mission sauvetage de crêpes pour la Terre et pour moi surtout. Hein? Oh non, capitaine casse-pied va s'emparer des crêpes. Et hop. Tom, c'est pas vrai. Ah, vraiment, Tom, c'est pas cool. Papa se donne tellement de mal pour nous faire plaisir. Regarde ce que t'as fait. Mais papa, les crêpes étaient en danger. Les aliens... Je veux pas le savoir. Va dehors avec ce jouet, Tom. Mais... Je peux avoir une crêpe, papounet chéri? Double jeu! Ok, si c'est la guerre que tu veux, tu vas l'avoir. Mais non, alors, des tout petits pétards? Non. Des boules puantes? Non. Des mini boules puantes? Non. Mais maman, faut armer la rébellion, sinon les aliens vont gagner la guerre, s'il te plaît. Je vais te rapporter ton magazine Capitaine Courage, c'est déjà pas mal. Chérie, je vais faire les courses. Il se passe un truc super horrible. Paraît que Capitaine Courage est un traître. Tu crois que c'est vrai? Mais n'importe quoi! Comment ça, un traître? Ben, il fait semblant de combattre les aliens, mais en vrai, il ment. Il est avec eux. Et voilà. Ce gros trouillard est allé avec les plus forts. Moi, à votre place, je serais super vexée et je jetterais tout de suite tous mes jouets Capitaine Courage. Et lui, d'abord. Même pas vrai, t'es qu'une sale menteuse, l'alien. Capitaine Courage sera jamais un traître, jamais. Cafard, qui c'est qui t'a dit ça? Je sais plus, quelqu'un au téléphone, je sais pas qui c'est. Tu vois, c'est forcément pas vrai, juste un sale coup des aliens, t'inquiète. Ouais, t'as raison, je suis bête. Dis, tu me le prêteras ton Capitaine Courage à Hélice trop génial? Bah ouais, viens, c'est l'heure du nouvel épisode à la télé. Le titre c'est Capitaine Courage résiste à tout. Capitaine Courage résiste à tout. Nya 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 nya. Tu vas voir s'il résiste à tout. Ça y est les enfants, les crêpes sont prêtes. Bah Nina, tu viens pas ma chérie? Oh. Maman, tu veux que je t'aide à porter tes courses? Mais c'est drôlement gentil ça. Merci Nina. C'est pas vrai, c'est quoi ça? Hein, qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Pas pour une glace à la fraise, c'est vraiment trop ignoble!
se rendre compte que le héros qu'on admire est en fait lâche, faible, menteur, égoïste et sournois. C'est ça aussi grandir, Microbe. Je veux plus jamais entendre parler de Capitaine Courage. Mais à quoi on va jouer maintenant? Adieu, Capitaine Bidon. C'est le plus beau jour de ma vie. Tiens, un sac poubelle, c'est pour aider. C'est pour moi. Mon héros à moi, c'est toi, Tom. Capitaine Courage est le héros des aliens maintenant. Je sais ce qu'on va faire. Fini les attaques surprises, les histoires débiles, les figurines casse-pieds, les autocollants, les cartes, les chaussettes ridicules. Waouh, t'es trop forte, t'es une héroïne. Comment tu fais pour avoir des idées comme ça? C'est sûrement mon intelligence alien. Oh, mais c'est horrible. Hé, je dis ça pour rire, je suis un être humain. Exceptionnel, oui, mais un être humain. Non, c'est pas possible. Microbe! Enlève tes saletés de ma chambre. Mon capitaine Courage est passé à l'ennemi, alors on l'a mis chez les aliens. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces hurlements? Quelqu'un s'est fait mal? Oui, moi. J'ai mal à mes yeux. Tom a mis tous ces jouets débiles de Capitaine Courgette dans ma chambre. Et pourquoi t'as fait ça, Tom? C'est pas tes jouets préférés? Il se venge! Il veut défigurer ma chambre! Hein? Quoi? N'importe quoi! C'est les aliens qui ont volé Capitaine Courage à la cause rebelle! Oh là là, je comprends plus rien. Les filles, vous avez pris les jouets de Tom? On n'a rien fait, nous! Il faut que j'aille ranger ma chambre! Je dois y aller! Mais non, attendez! On va contre-attaquer! Contre-attaquer? Nina, laisse ton frère tranquille. T'es une grande maintenant, hein? Alors rends-lui ses affaires, sinon tu seras... Punie? Moi? Non mais papa, je veux pas d'un espion infiltré dans ma chambre. Tous les capitaines Courage sont à elle maintenant. L'alien est en secret l'ami du capitaine Courage, même si elle veut pas l'avouer. Ah bon? Alors c'est réglé, Nina, tu peux garder les jouets. Elles étaient bonnes les crêpes? T'es vraiment trop bête, Microbe. T'aurais pu me faire punir si t'avais pas dit à papa que tu m'avais donné tes jouets. Et maintenant c'est trop tard. Mais tu vas me le payer, Microbe. Alerte invasion, toi, Capitaine Courage à la rescousse, Capitaine Courage à la rescousse. Tu joues avec les Capitaines Courage que Tom t'a donné, ma chérie? Quoi? Mais non! Tu sais, Nina, t'as le droit d'aimer Capitaine Courage, hein, toi aussi. Papa a raison, tu sais, c'est pas réservé aux garçons. Moi, je suis fière de toi, t'es pas obligée de faire semblant. Il n'y a rien à faire ici, on va au jardin. Oh. C'est quoi cette enveloppe? L'alien prépare un coup tordu, lieutenant Cafard. Va falloir agir tout seul, on a Capitaine Courage contre nous maintenant. Ouais, Capitaine Super Tom, prêt pour la mission spéciale anti-alien et anti-courage. Je suis trop déçue, mais c'est bon, le secret est en lieu sûr, dans ma cachette super secrète l'Overmove, il le trouvera jamais. Mais en vrai, il est toujours l'allié des terriens. C'est un agent double. Enfin, triple. Oh, je savais que les glaces à la fraise, c'était pas du tout son délire. Ouais, il est trop fort. Les aliens se sont fait avoir par Capitaine Courage. Oh, mon héros, j'ai toujours cru en toi. Maman, il faut que tu me réabonnes tout de suite à Capitaine Courage Magazine. On va rigoler un peu. Dis donc, Microbe, t'as toujours pas retrouvé ton cerveau? Au cas où t'aurais pas compris, Capitaine Courage est de ton côté, alors viens-moi tout ça! Capitaine Courage infiltré dans la base ennemie harcèle l'envahisseur avec bravoure! Microbe! Je te tiens, Capitaine Sale Espion. Je suis vraiment énervée et je vais pratiquer des expériences génétiques aliens horribles sur tous les Capitaines Courage de cette pièce! Faut absolument sauver les capitaines. Au travail, lieutenant Cafard. Capitaine Courage compte sur nous. Oh là là, quelle catastrophe. Les terriens ont libéré tous les otages. Adieu les grèves de peluche. Quel dommage. J'avais pas du tout prévu ça. Donne ça. Les enfants, il reste des... Mais enfin, Tom, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas reprendre les jouets que t'as donnés à Nina.
Donner, c'est donner. Laisse tomber, papa, tu peux pas comprendre. C'est super compliqué les histoires de double jeu. Et Nina veut leur greffer des têtes d'animaux. Ah ouais, quand même. Mais bon, ce sont ses jouets. Alors rends-les-lui tout de suite, sinon... Il sera puni, vraiment? J'allais vous donner des crêpes en plus, mais Tom, tu ne les mérites pas. Tiens, je vais les donner à Grippy. Et toi, tu vas aller dans ta chambre réfléchir au sens du mot donner. Mais... Pas de mais. Bon, les garçons, j'ai un marché à vous proposer. Je change de camp pour 5 minutes. Hein? Tu veux passer du côté des terriens? Ouais, je joue double jeu. J'occupe papa pendant que vous exfiltrez les jouets de ma chambre. Vendu! Quoi? Non mais là, moi, je comprends plus rien à vos histoires d'agent triple. Papa, en fait, je suis trop triste que Tom ait pas eu de crêpes. Je me sacrifie. Hein? Non, Tom, qu'est-ce que tu fais encore? Je lui donne tous mes jouets, Capitaine Courage. Oh, alors ça, Nina, c'est vraiment très gentil. Tu sais quoi? J'avais prévu de lui donner un petit cadeau plus tard pour le consoler, mais pour récompenser ton geste... Oh. Je te le donne à toi. Oh, c'est trop pas juste! Bon, alors là, parfois, je me demande si on vient tous de la même planète. Tu me le prêtes alors, ton Capitaine Courage à hélice trop génial? Bah ouais, mais il est où? Ici! Ah, c'est horrible! Peut-être que Capitaine Courage joue un quadruple jeu, t'as pensé à ça? Peut-être qu'il fait croire qu'il est du côté des aliens alors qu'en fait, il est vraiment du côté des aliens. Mais si, je t'assure, j'ai enfin trouvé le sport qui me convient, le body cardio. Pour l'instant, on dirait plutôt la sieste cardio. Ah, oh, paf, dans les tentacules. Tu sais quoi, mauvaise langue? Je vais tout de suite aller suivre mon cours sur Internet. Allez, viens, Grippy. Dégage, alien gluant! Capitaine, basket d'alien en vue, je démarre la mission. Piège à microbes. Oh. J'ai fini! À Tom d'essuyer! Tom! Courage, mon chéri. À moi le drone! Un ovni! Imagination pour échapper à la vaisselle. Tu m'impressionnes, microbe. Mais si! Regarde, là! C'est moi qui délire ou ce mollasson du bulbe ne sait même pas reconnaître un drone? Viens là, toi! Arrête, microbe! Si tu détruis la soucoupe volante, on explose avec elle! Tu me prends vraiment pour un débile, l'alien? C'est juste un drone. Et comment tu vas savoir qui le pilote, le drone, si tu l'écrabouilles? Pas faux. Je vais l'attraper, je sais comment. Mais c'est quoi ça? Encore 100 pour des abdos en acier. Et 1, et 2, et 3, et... T'as besoin de lunettes, microbe? Yeah, touché!
Hey, reviens ici tout de suite. Punition en vue, microbe. Touche. Maman, t'avais dit que le morpion venait aujourd'hui? Non, en plus il nous a pris le drone. Ta sœur a raison, t'as vraiment un petit pois à la place du cerveau, espèce de naze. Tu sais ce qu'il te dit, mon petit pois? Ciao. Viens, microbe. Vous pouvez toujours courir, les nazes. Je vous surveille partout. Nina, va chercher papa. Il y a un truc bizarre dans le jardin. Tu parles de Francis? Quoi? Il est là, le bout de champ? Ah oui, sa mère a appelé. J'ai pas entendu mon téléphone. Il est où, le petit ange? Tiens, salut, Francis. Tu voulais me voir, mon amour? Ah oui, il faut que je te montre un truc dans le jardin. Bah, où sont les enfants? Ce serait bien qu'ils viennent jouer avec Francis. Oh, un drone! Je peux l'essayer? Oui, mais il marche plus, il faut le recharger. Ah, il se pilote à une distance de 50 mètres. Waouh! Et il peut filmer aussi? Non, mais il prend des photos. Ah ouais? Oh! Ouais. Hihi. Sympa. Tu viens, chérie? Un nid de chenilles! Je travaille justement sur la reproduction des lépidoptères en ce moment. Va chercher l'échelle, comme ça tu continueras à faire du sport tout en travaillant. Mais non, on va envoyer le drone. Francis, oh. J'ai une mission pour ton drone. Il est rechargé? Oui, à bloc. Avant, est-ce que je peux avoir un verre d'eau, tonton chéri, s'il te plaît? Je peux t'aider à essuyer la vaisselle? Ah non, c'est à Tom de le faire. Tom, la vaisselle! Oh. Ah! D'où vient ta pointe à qui c'est à temps? Ah! Plus de magazine Capitaine Courage pendant un mois. Ça reste entre nous, bien sûr. Si tu fais tout ce que je veux sans discuter. Sale tétard! Tonto! Oui, Francis? Je voudrais aller voir les chenilles avec toi et avec Nina chérie. Oh, mais oui, Nina, viens! Ça me fait plaisir à moi aussi de te faire partager ma passion pour les insectes. Vous avez vu, là-haut? Oui, je vois le nid, tonton. Je préfère m'asseoir pour mieux piloter. Tu m'apportes une chaise, Nina? Quoi? L'alien passe à l'ennemi? Oh, Nina, t'es vraiment adorable avec cousin Francis aujourd'hui. Bravo! Ouais, bah ça va pas durer. Va derrière l'arbre, tonton, tu vas me guider. C'est dangereux de laisser traîner ses affaires. Tes CD Lover Move sont confisqués pendant une semaine. Mais c'est pas moi, c'est Tom qui... C'est les baskets de Tom, peut-être? Tes CD et aussi tes DVD sont confisqués pendant deux semaines. Ah bah voilà. Alors, l'alien, t'es puni? T'as vu comment ça fait? Nina, reviens! Je veux rester avec ma cousine et avec Tom aussi. Je les aime trop. Alors, le naze, tu restes avec moi maintenant? Ouais, un petit peu plus à droite, chérie. Ouais, comme ça. Et après, c'est mon tour, hein. Bah, t'es pas prêt de récupérer ton joujou? Pourquoi tu demandes pas à Tom ses jouets, Capitaine Courage? Oh, l'alien, tu délires! Mais non, c'est une très bonne idée. Et toi, Nina, tu vas aussi m'apporter tous tes gadgets Lover Move. Il faut se mettre à deux contre le Minus, sinon on n'est pas sortis de l'enfer. Ouais, vous m'avez l'air bien pote, pourtant. Pas du tout, il me fait du chantage, comme à toi. Comment tu sais? Parce que j'ai un cerveau, moi. D'ailleurs,
alors, les nazes, ça vient? Oh non! Mon DVD collector! Oh, oh. Attends, il y a plein d'autres trucs à fracasser! C'est vrai! Dans ta chambre aussi! À moi, c'est mon tour! T'es vraiment le premier sur le tableau des abrutis. Et toi, t'es qu'une alien moisie, je vais le dire aux parents. Ouais, mais moi ça changera rien vu qu'on a déjà une punition chacun. Ok, match nul. Oh, trop bien. Je vais voir papa. Celle-là, je la garde aussi. Ça peut servir un jour. Non, Tom, t'es toujours puni. Et tu ne dis rien à maman, c'est tout. Ne t'inquiète pas, mon ange. Tu vas le récupérer, ton drone. Grippy, descends tout de suite. Grippy! Tu peux plus rien contre nous, tétard. Poubelle! Oh. Qui a fait ça? Tu vas voir, les photos sont assez réussies. Tu me le paieras, l'alien. Ben quoi? Non mais sérieux, fais gaffe, hein, Nina. Ton horoscope est formel. Un élément perturbateur va gâcher votre journée. Tu penses au microbe? Bah t'inquiète, son horoscope à lui est tout pourri. Écoute, grâce à Nina, vous allez passer votre journée punie dans votre chambre. Tu veux que je te lise ton horoscope, Creepy? Tu vas dormir toute la journée, et puis tu vas manger, et puis tu vas redormir. Faut vraiment être bête pour croire à des débilités pareilles. C'est parti pour l'horoscope à punition. Le capitaine Courage atterrit en douceur sur une planète inconnue. Danger! 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 Ne sors surtout pas de ta chambre, microbe! Qu'est-ce que tu racontes, l'alien? Je répète, ça va être la pire journée de ta vie! Désolé, microbe, c'est ton destin! C'est écrit dans ton horoscope! Tiens, comme je suis hyper sympa, je te rends ton pistolet! Même dans cette chambre qui sent les pieds, t'es pas à l'abri! Le ninascope! C'est toi qui vas passer une journée toute pourrite, l'alien. Bah, de la morve d'alien. Qu'est-ce que t'as fait à mon pistolet laser? Calmos, microbe. Je te l'ai dit, tu peux pas lutter contre ton horoscope. Tu l'as cassé. C'est ton destin. Non. C'est l'horoscope qui l'a prédit. C'est pas vrai, arrête! Tom, est-ce que les mots calme et tranquillité t'évoquent quelque chose? C'est Nina! C'est Nina! Bon, les enfants, je vous explique. Papa répare la voiture et moi je travaille sur mon roman. Ça demande de la concentration, donc du silence. Merci. Je t'avais prévenu, microbe, et c'est qu'un début. Comment ça? Il y a d'autres trucs graves qui vont m'arriver? Je crois que ça dépend que de toi. Écoute, vous pouvez sauver votre journée en prenant soin de votre entourage. Si vous êtes gentil avec vos parents, une récompense vous attend. Ah ouais? Et quoi comme cadeau? Ah, bah ça c'est pas précisé. Je t'aime, maman. Merci, Tom, je t'aime aussi. Oh, c'est quoi ça encore là? Je t'aime, papa.
papa. Aïe. Oh, moi aussi, Tom, je t'aime. Ça y est, j'ai été gentille avec les parents. Il est où le cadeau? T'es vraiment naïf, Microbe. Ton horoscope est déjà bien sympa de te prédire ton avenir, mais de ton côté, faut faire un petit effort. Bah, comment? Je sais pas, moi, innove. Va embêter. Va proposer tes services aux parents. T'as besoin de quelque chose, papa? Non, Tom, merci. Mais toi, t'as un truc à me demander, non? Tu veux que je te fasse réviser tes leçons? Non, non, c'est bon. Bonne journée, papa. Coucou, Tom! T'as besoin de rien? Tom, qu'est-ce que tu veux encore? Ben, en fait, j'attends un truc qui doit arriver, mais je sais pas quand, et je sais pas trop ce que c'est non plus. Ouais. Ben, écoute, va plutôt l'attendre dans ta chambre, d'accord? Ça marche pas, ton horoscope, l'alien, c'est nul. C'est parce que t'es pas vraiment attentionné avec les parents. Réfléchis un peu dans ta tête. Faut aller au-devant de leurs désirs. Par exemple, maman adore le thé et papa le café. T'as vu, maman chérie, que j'aime de tout mon cœur? Je suis très gentille et je t'apporte du thé. Ta-da! Oh là là! Le thé, c'est catastrophique, ça part pas! Hein, maman? C'était gentil, Tom, mais faut vraiment que tu me laisses travailler, là. Quoi? C'est tout? Pourquoi tu dis « c'est tout » ? Tu veux me faire gronder, c'est ça ? Tu me prends pour un débilos, hein ? Au contraire, je suis choquée que t'aies pas eu une récompense, voilà. J'espère qu'avec papa, ça va mieux se passer. Mais c'est quoi cette vie, là ? Coucou, papa ! Ah, un petit café bien chaud préparé par ton fils préféré qui t'adore. Tiens, mon petit papa. Mais merci. Bon, ben, voilà, quoi. Oui, et alors ? Ben, je sais pas. T'inquiète, Grippy, les parents vont pas tarder à craquer. C'est trop nul, ton horoscope, ça marche pas. Faut être patient, Microbe, et surtout ne rien lâcher. À la longue, ton entourage t'en sera reconnaissant. Surtout moi. Hey, j'ai compris, je me suis pas occupée de tout mon entourage. Comment ça? Je veux bien te faire un bisou, mais que les choses soient claires, c'est exceptionnel. Ça, c'est pas marqué dans ton horoscope. Non, mais mon entourage, c'est aussi toi. C'est pas faux, sauf qu'un bisou, ça se mérite. Tu sais courir, Microbe? Maman! Maman, c'est horrible! Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Après ça, si je suis pas récompensée... Stop! Je sais que tu fais des efforts pour être gentil, mais là c'est trop. Et toi, Nina, tu pourrais être sympa avec ton frère. Un bisou, c'est pas horrible, au contraire. C'est pas juste, je fais plein de trucs pour les autres et les autres ils font rien pour moi. Tu as raison, pardon, Tom. Bon, je vais plutôt m'installer dans mon bureau, moi. Vous devriez aller goûter, il y a plein de glace dans le frigo. Merci, monsieur Horoscope. Et il dit quoi d'autre encore? Ah bah c'est fou là, ton horoscope il change du tout au tout. Économisez l'énergie dans la maison, soyez écolo responsable. T'arrives à lire à l'envers, toi? À l'endroit c'est pareil, responsable écolo, soyez un héros, vous deviendrez. Ok, de la planète héros je serai. Déjà, tout l'électroménager, ça consomme un max d'électricité. Oh, fastoche, y a qu'à le débrancher. Ah oui, ça ralentit, mais ça tourne encore, Microbe. Ça tourne presque plus. Tom, héros, écolo, le capitaine Courage va être fier de moi. Ouais, je crois que les parents aussi. Tom, ton journal est... Hein? Tom? Mais papa, je suis Tom, un héros écolo, quoi. Ah oui, et toute cette nourriture
gâcher, tu trouves que c'est écologique? Oh, mais on va jamais manger tout ça. Je les remets dans le congélateur? Sûrement pas, on ne recongèle jamais ce qui est décongelé. Bah, on va faire quoi de tous ces bons navets? C'est simple, Tom va nettoyer et couper les légumes. On va faire une soupe et on la congélera. Mais papa, c'est Monsieur Horoscope. Tom, n'en rajoute pas. Tu vas éponger toute cette eau. Quant à ton nouveau magazine, hein, inutile de te dire qu'il est confisqué. T'as de la chance, Microbe. Papa aurait pu t'envoyer dans ta chambre direct. Tu peux remercier ton horoscope. Tiens, en fait, il est où? Exclusif, le poids sauteur du Capitaine Courage, un gadget qui fait bondir. Papa, je peux lire le magazine de Tom, s'il te plaît? Hein? Oui, oui, Nina, vas-y. Dis, Microbe, je lis la suite de ton horoscope. Dégage, l'alien. Ton horoscope m'a fait assez punir comme ça. Dommage. Il dit qu'il y a une autre surprise qui t'attend. Hein? Ah, trop bien. Un gadget surprise. Tu vois, l'horoscope se trompe jamais. Ben non, je peux pas l'ouvrir. Papa m'a interdit d'y toucher. Il a dû changer d'avis. Il est gentil avec toi quand même. Merci, Monsieur Horoscope. Waouh, le poisson sauteur du Capitaine Turn Courage. Je vais l'essayer tout de suite. Tu trouves pas que c'est un peu petit ici? Oh là là, t'as pas peur que ça casse un truc? T'inquiète, il est beaucoup trop petit. Petit mais costaud. Tom, tu vas ramasser tout ce bazar. Et pour rembourser le vase, tu casseras autre chose. Hein? Quoi? Ta tirelire. T'as vraiment du bol, Microbe. La punition aurait dû... aurait pu être plus grave. Ouais, bah ton horoscope, c'est fini. À partir de maintenant, je vais faire exactement l'inverse de ce qu'il dit. Vas-y, lis-moi la suite pour voir. Bon, les enfants, j'ai un outil à aller chercher. Vous approchez pas de la voiture, hein, surtout. Ah bah ça, c'est dingue, Microbe. Ton horoscope dit: évitez la mécanique, choisissez la méditation. T'es sûr que tu veux faire le contraire? Tu devrais peut-être pas défier ton destin comme ça. T'inquiète, l'alien, je gère. Oups. Bon, si ça se trouve, je l'ai réparé, hein. Ah oui. Et si ça se trouve, tu es puni. File dans ta chambre et n'en sors pas avant ce soir. Tout ça, c'est de ta faute, l'alien. Tu me le paieras. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Franchement, mon frère, je l'adore. Au fait, je t'ai pas lu mon horoscope. Votre frère a un petit poids dans la tête. Vous allez donc passer un après-midi de rêve. Je le crois pas. T'es trop bête, bébé. J'ai trop la chance d'être avec toi. Hop, 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 les enfants, on se calme. Maman doit terminer son roman aujourd'hui. Elle a beaucoup de travail et moi j'ai du jardinage à faire. Alors pas de bruit. Bien sûr, Papounet, mais c'est surtout à Tom qu'il faut dire ça, tu sais. D'accord, d'accord. Chacun dans sa chambre et en silence pour une fois, ok? Désolé, Lover. Comment cet imbécile sans cerveau a-t-il osé de faire ça? C'est dingue. On dirait presque... L'identité secrète. Mais non, je t'ai pas vu, Microbe. C'est ça, suis-moi. C'est parfait. La pause café de maman, c'est... maintenant.
Ça va, maman? Oui, ma chérie. Dis, je peux utiliser ton ordinateur pour aller sur le site Lovermove pendant que tu bois ton café? Bien sûr, ma puce. Je voudrais voir si j'ai des messages. Mais juste 5 minutes, d'accord? J'ai vraiment beaucoup de travail. Merci, maman. Des messages aliens, faut les intercepter. Quoi? Mais non! L'identité secrète! Capitaine Courage! J'y crois pas! Quoi? Qu'est-ce que tu crois pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est grave! Microbe, va falloir que tu sois fort, très fort! Capitaine Courgette, ton héros quoi? Ben, c'est Lovermove! Hein? Ah, n'importe quoi! Tu me déçois, l'alien! Elle est trop nulle, ta blague! T'es choquée? Moi aussi, je te signale! Enfin quoi? Mon Lovermove adoré, un bouffon en combinaison avec une cape qui sert à rien! Oh, oh Lover, tu cachais bien ton jeu! Relis le message, il y a sûrement une erreur, obligé! Non, Microbe! Inutile de se faire plus de mal! Capitaine Courage a forcément une identité secrète, non? Et qui aurait pu le soupçonner d'être en réalité Lovermove? Personne! T'es d'accord? C'est même la meilleure couverture jamais imaginée par un super-héros. Mais quand même. Je sais, c'est dur. Viens, je vais te montrer un truc. Tiens, je te mens pas. J'avoue, à part le costume et la coiffure, ils se ressemblent vachement. Incroyable, non? J'arrive toujours pas à réaliser. Laisse-moi seule, Microbe. S'il te plaît. Oh là là là, tellement fastoche. T'es trop forte, Nina. Oui, chef. Bien entendu, je comprends. Oui, chef, ma mission. Mettre tout le monde au courant de l'identité secrète de Capitaine Courage. Vous êtes sûr? Et pour Lovermove? Ah, pas le choix. Alors c'est vraiment vrai? Capitaine, il faut qu'on parle. Je le crois pas. T'es trop belle, bébé. Où tu vas, l'alien? T'occupe. Maman, faut que je te dise un truc hyper important. Tu vas pas me croire. Mais tais-toi, l'alien. Maman, faut pas la croire. Tom, tu sais ce que ça veut dire, silencieux? On laisse maman travailler, c'est compris? C'est quoi, tout ce raffut? Ah, c'est Tom! Vous remontez et je veux pas vous entendre, ok? Faut que je prévienne Agnès et Solange! J'imagine leur tête quand elles apprendront l'identité secrète! Jamais! Je t'en empêcherai coûte que coûte! Alors, tu fais moins ta maline, hein, l'alien! Et la quatrième de couverture? Allô? Allô, Maurice? Tu m'entends? Je vous ai déjà dit 1000 fois de ne pas débrancher le téléphone de l'entrée. Ça coupe tous les combinés de la maison. T'as vu, quelqu'un a débranché le... Grippy, viens ici, Grippy. Tom. C'est inutile, Microbe. De toute façon, le monde entier saura. J'ai 1001 moyens et rien ne m'arrêtera. Ah, le voilà. Encore faudrait-il que tu sortes, l'alien. Oh oui, la porte de la cuisine. Non, mais c'est pas vrai, ça. Tom. L'alien est dans le salon et j'ai pas encore scotché la porte-fenêtre. Je t'ai entendu, tu ne sortiras pas. Atomisation d'alien. Sus aux aliens. Bah, qui c'est qui regarde ça? Tom, mais tu le fais exprès ou quoi? Éteins-moi ça tout de suite. Mais c'est pas moi, papa. Oui, et le scotch sur la porte, c'est pas toi non plus. Ça commence à bien faire, hein? Vraiment. Chérie, tu peux arrêter de crier, s'il te plaît, je travaille. Mais mon cœur... Bah, c'est la meilleure, ça. Sur ce papier, l'identité secrète de Capitaine Courage est révélée. Et hop, c'est parti. Que le premier qui le trouve prévienne les journalistes. Oh non.
C'est incroyable, ça marche encore. Oh, Microbe, si tu n'existais pas, faudrait t'inventer. Tentative alien déjouée. Oh, c'était moins une... Oh. T'es vraiment trop beau, Lover. Comment? C'est moi la plus belle de toutes tes fans. Arrête. Vas-y, l'alien, essaie seulement de mettre un doigt de pied dehors. Oh, le boucan. Fais gaffe, Grippy, tu fais rien tomber, le sort du monde en dépend. À tout de suite, Lover. Pas mal, Microbe. Tu m'impressionnerais presque. Bébé ! Ah, comme ils le font exprès, c'est pas vrai. Que, ah ? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore ? Pulvérisation ! Oh, oh. Tom ! Chut, papa, maman travaille ! Tom ! Range-moi tout ça et vite fait. J'ai plus le choix, faut que je demande de l'aide. Le destin du capitaine Courage en dépend. Ben, qu'est-ce qu'il y avait de si urgent? C'est une catastrophe interplanétaire. Ma sœur et son armée d'aliens ont découvert l'identité secrète du capitaine Courage. Quoi? Arrête-toi, l'alien. Même pas. Je vais annoncer la vérité au monde, à la galaxie et à ses environs. Depuis la salle de bain? Mais il n'y a même pas de fenêtre. T'inquiète, Microbe, j'ai des ordres, j'obéis. Fin de l'histoire. Ah ouais? Ben non, c'est à nous que tu vas obéir, l'alien. Viens. Deuxième tentative alien échouée. Comment on assure? T'as dit quoi, Microbe? Oh, deuxième tentative. On l'a bien désamorcé, l'alien. Merci, Cafard, mon ami. Cafard, s'il te plaît, rentre chez toi. Tom, tu es privé de console, de télé, d'instruments de musique et de tout ce qui fait du bruit. Je ne veux plus t'entendre, est-ce que c'est clair? Capitaine Tom, un camarade Cafard. Je surveille l'intérieur. Je répète, je... Bien reçu, je surveille l'extérieur. Elle fait un truc bizarre avec les casseroles. Wow, wow, message important. Identité secrète de Capitaine Courage découverte. Oh, transmettez. Wow, wow. Fais pas ça, l'alien. Laisse-moi, mollusque, je dois accomplir ma mission. Tu vas voir ce que j'en fais de ton message codé. Wow, wow, message annulé. Je répète, wow, wow, message annulé. Wow, mais tu dépasses les bornes, Tom. Oh, oh. Capitaine, vous me recevez? Capitaine Tom, qu'est-ce qu'il y a? Je t'avais dit de rentrer chez toi, Cafard. Et toi, dans ta chambre, jusqu'au dîner, et pas de dessert. Et voilà, encore une magnifique journée pour la pire des pires sœurs. Je m'aime. Ah, Microbe, tu connais la dernière? On a découvert l'identité secrète de Tom. Ce serait une courgette. Niveau cerveau, ça colle, pas vrai? What? Ah!